Il est 8h du soir. Normalement, c'est je fais la vidéo à 8h, tu vois, comme vous devez voir hier soir. Normalement, la prolongation du cinéma, tous les cinémas de France, ils devaient avoir mon film. J'ai reçu le mail hier soir. J'ai reçu hier soir. Mon avocat m'a appelé ce matin. J'étais à son bureau cet après-midi. Et là, il est 8h. Je fais la vidéo. Mon film ne sera pas encore au cinéma à cause du directeur du Front National plus la biatch de Marine Le Pen. Donc ça fait qu'il commence à me casser les bonbons. Bande de racistes que vous êtes, bande d'enculés que vous êtes, mon film n'est pas au cinéma. Bande d'enculés, ça vous fait bander, hein, bande de salopes que vous êtes. Mais mon dromadaire, je vais le faire rentrer en France et il va vous enculer comme personne vous a enculé. Je veux vous dire, je remercie tous ceux de Facebook qui me soutiennent. Je remercie tous ceux qui ont soutenu le DVD de mon frérot Sinox. Tous ceux qui vont soutenir l'album Azeref. Tous ceux qui soutiennent mon film, je vous remercie. Dans mon film, je suis content. J'ai eu des bêtes d'acteurs, des bêtes d'actrices. Le film, c'est un gros film. Vous m'avez boycotté, c'est pas grave. Je lâche pas le morceau. Il va sortir quand ce fameux film, Marseille? Il va sortir ce mois-là, je vais le sortir. Je vais le sortir en DVD. Nique ça, rage, je vais le sortir en DVD. Vous voulez porter plainte contre moi? J'ai mon avocat qui m'a fait le double. Il est parti chez le directeur des cinémas de France pour récupérer la double. Vous m'avez bloqué, vous m'avez payé, je m'en bats les couilles. Je vais garder l'argent et puis je vais le sortir en DVD. On est en direct du cinéma. Normalement, c'était mes affiches que tu devrais voir ici. Donc, il n'y a pas de trou là. Tu vois, voilà, c'est pas mon. Il y a un trou, il n'y a rien du tout. Pendant le con, parce que vous ne faites pas tourner le commerce français, parce qu'il dort. Et après, vous pleurez, vous êtes dans la crise. Moi, mon film, je voulais pas qu'il sorte parce que j'ai insulté le raciste. Et c'est la réalité d'un film. Pourquoi? C'est un vrai film. J'ai fait un vrai film. J'ai fait un vrai film de qualité. J'ai fait un film où que le raciste, ils en mangent plein dans leur gueule. Et moi, même moi, j'ai joué le jeu, tu vois. J'ai fait un rôle où que je suis pas vraiment dalleux. J'ai 49. J'ai 40 chéris, j'ai 49. J'ai des meufs dans toute la France, dans tout le monde entier. Pff, je suis pas un dalle, mais dans mon film, j'ai joué le jeu. Donc maintenant, vous mangez, vous me jalousez, continuez à me jalouser. Les gars, sachez-le, hein. J'ai commencé de rien. J'ai fait mes défilés de mode, j'ai sorti la marque Train de la Galère qui a fait un carton. Aujourd'hui, je suis numéro 1 des marques de rap français. J'ai sorti des CD, j'ai fait des disques d'or. Je suis dans le DVD Les meilleurs indépendants de mon frérot Sinox, l'un des meilleurs reporters de DVD en France. Aujourd'hui, c'est lui son DVD. Il a bouffé tous les DVD des anciens DVD là, que mettaient les rappeurs en avant-première. Lui, aujourd'hui, c'est son DVD qui est numéro 1. Tu peux rien y faire. Il travaille avec nous en plus. Je produis des chanteuses, je produis des chanteurs. Parce que là, je suis super gentil. Attends, que je vais être le vrai Morsay, parce qu'il n'y a que ça que j'aime en vrai. J'ai fait un film de haute qualité. On a sorti plusieurs projets de rail. J'ai sorti DJ Momo. On a sorti des compilés avec DJ Zach, DJ Kai, beaucoup de DJ Bilka aussi aujourd'hui. On a travaillé avec pas mal de gens. J'ai fait le tour de la France. J'ai tourné un film à New York. One Hour avec mes potos Camélon Musique, donc toute leur équipe. Je travaille avec Karim Baila, une grande dédicace, un grand journaliste, avec plusieurs journalistes. Et aujourd'hui, on boycotte encore. Je suis passé sur M6, Canal+, là je passe bientôt sur France 3. Mais maintenant, je crois que en étant gentil avec Marine Le Pen, en étant gentil avec ces petits cons d'Éric Zemmour et tout ça, moi je vous dis, cliquez bande de salopes. Le 15-18, cliquez bande de salopes, parce que vous n'avez pas réussi à m'avoir. Vous avez vu, je suis toujours là, frère. S2fouche.com, S2chatatamère.com, S2chouche.com, je répète, S2chatatamèreatamèrelapute.com. Pourquoi je fais une phrase dite gros mot? Tu sais pourquoi? Parce que la chatte à ta mère, elle est tellement grosse que je rentre les deux Run Train Center dans sa chatte. Et peut-être qu'elle verra peut-être un jour la tour Eiffel à 20 mètres de profondeur. Parce que le Titanic, il est rentré dans le cul de ta grand-mère, que l'océan, il est assez petit pour que Marine Le Pen, elle se prend une bite de cheval par l'avant, une bite de dromadaire par l'arrière, et peut-être un jour elle sourira, et elle dira peut-être que vive le soleil est beau. Le soleil brille pour tout le monde, bande d'enculés de vorace. Clic, 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 salope. Vous voulez me rendre fou? Je vais vous rendre folle. Bande de salopes, vous avez tous des jupes, vous êtes tous des putes, bande de salopes, clic, 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 clic la chatte à ta mère, clic, 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 je vais ramener un dauphin, il va t'enculer dans ton...
salope que tu es Marine Le Pen. Comme ça, je vais. Moi Marine Le Pen, je te jure, je te vois, je te sors ma bite, je te pisse dessus. Moi, je te vois, Marine Le Pen. T'as joué la manine avec moi, trop tard, je m'en bats les couilles. Je bois de l'eau tous les matins. Quand je sors, je te cherche. Je te tombe dessus, je te pisse dessus. Je te pisse dessus. Un arabe comme moi, je te pisse dessus. Qu'est-ce que ça va faire du bien? Je te pisse dessus, salope que tu es. Petite garce que tu es. Petite cochonne que tu es. Tu manges le porc, halofa. Cochonne, donc t'es une cochonne. T'es le porc, cochonne que tu es. Salope. Ton père, il s'est fait crever à l'œil par les Algériens. Je suis un Algérien. Moi, j'ai crevé ta chatte.